Frères et sœurs et chers amis, bonsoir. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, eh bien, nous sommes très heureux de nous retrouver dans ces moments pour partager la pensée du Seigneur parce qu'il veut parler à notre cœur et ce soir, j'ai la joie de pouvoir partager avec vous ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. J'aimerais vous inviter sans plus tarder à lire dans l'Ancien Testament. On va lire dans le livre de la Genèse, au chapitre 18. La lecture sera assez longue quand même. On va lire assez rapidement dans le chapitre 18. On va d'abord lire du verset 16 au verset 23. Et ensuite, on va lire aussi une partie du chapitre 19. Dans le chapitre 18 de Genèse, voici ce que nous lisons à partir du verset 16. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru, et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils agissent entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ?» Nous poursuivons dans le chapitre 19, à partir du verset 12. Les hommes dirent à Lot, « Qui as-tu encore ici, gendre, fils, fille et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. » Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Lot sortit et parla à ses gendres qui avaient pris ses filles. « Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. » Mais aux yeux de ses gendres, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles, qui se trouve ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils l'emmenèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Ô mon Seigneur, ô non Seigneur, voici j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Ô que je puisse m'y sauver, n'est-elle pas petite et que mon âme vive ?» Et il lui dit, « Voici, je t'accorde encore cette grâce, je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Hâte-toi de te réfugier, car je ne puis rien faire jusqu'à ce que tu y sois arrivé. » C'est pour cela que l'on a donné à cette ville le nom de Tsoar. Le soleil se levait sur la terre lorsque Lot entra dans Tsoar. Alors l'Éternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorre, du soufre et du feu. De par l'Éternel, il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes et les plantes de la terre. La femme de Lot regarda en arrière et elle devint une statue de sel. Abraham se leva de bon matin pour aller au lieu où il s'était tenu en présence de l'Éternel. Il porta ses regards du côté de Sodome et de Gomorre et sur tout le territoire de la plaine. Et voici, il vit s'élever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham et il fit échapper Lot
du milieu du désastre par lequel il bouleversera les villes où Lot avait établi sa demeure. Amen. C'est l'histoire familiale de Lot que nous lisons ici. Eh bien, tout commence par une décision de Dieu. Dieu, il va parler à Abraham, qui est l'oncle de Lot, pour lui annoncer qu'il a l'intention de détruire et qu'il va le faire. Il va détruire les villes Sodome et Gomorre, là où habitent Lot et sa famille. Et donc l'Éternel dira, me cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ? Il va aussi donner la raison pourquoi il veut détruire ces villes. Et il dira, mais leur péché est énorme. Leur péché est énorme. Dieu ne prend pas plaisir à détruire. Notre Dieu n'est pas un destructeur. Au contraire, il veut reconstruire, il veut restaurer, il veut réparer, il veut réconcilier. C'est cela son but. Et ici, il va dire, mais leur péché est énorme. Et le voilà qui va détruire ces villes. Si nous voyons, il s'agit d'une famille. Il s'agit d'une famille, l'oncle Abraham, Lot, le neveu, et puis la femme et les enfants de Lot. Également, il est mentionné ses gendres. Il y a l'urgence des temps pour cette famille. L'urgence des temps, parce que nous voyons que l'Éternel, à la suite de la prière d'Abraham, l'Éternel va envoyer ses hommes, ses anges, pour parler à Lot. L'Éternel ne va pas laisser ceux qu'ils connaissent dans cette situation. Il y a l'urgence des situations. Et lorsque nous regardons le champ lexical ici de ce texte, il est question ici de « Levez-vous, sortez, hâte-toi ». Il est question donc de faire vite. Et d'ailleurs, Jésus lui-même, il va parler de cette urgence des temps. Il va revenir sur l'histoire de Lot en disant « Mais ce qui arrivera du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour du Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Il en sera de même. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est Jésus qui le dit ici pour nous montrer que nous aussi, nous sommes dans des temps d'urgence à cause du retour de Jésus, parce que Jésus revient. Nous sommes dans des temps d'urgence et il fallait faire vite. Et Abraham, qui a été choisi par Dieu, le voyons, c'est un homme de Dieu, un homme de foi. Lorsqu'il entend que Dieu va détruire Sodome et Gomorre, là où se trouve sa famille, il ne va pas laisser les choses de cette manière, mais il va intervenir. Il va intervenir par le moyen de la prière. Il y a l'urgence et vous savez en quel temps nous sommes. La parole dit que la nuit est avancée, le jour approche et que nous devons, frères et sœurs, nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Nous devons nous dépouiller. L'apôtre Paul dira ceci aux Thessaloniciens. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive, car vous savez bien vous-même, le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Alors, pour cette famille, il y a urgence. Il y a urgence pour cette famille. Abraham, l'homme que Dieu a choisi, et d'ailleurs il est dit ceci, je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. Alléluia. Dieu a choisi Abraham pour intervenir auprès de sa famille. Et je crois que chacun d'entre nous, présents dans ce lieu, puisque nous aussi nous attendons le retour de Jésus, nous aussi nous avons autour de nous des membres de notre famille qui sont loin du Seigneur, qui sont en danger.
nous devons réagir de la même manière qu'Abraham. Lorsque nous savons que la situation est grave, nous ne pouvons pas rester la bouche fermée. Nous ne pouvons pas rester indifférents, frères et sœurs. Mais nous devons, pour le salut de notre famille, puisque Dieu nous a donné une famille, il nous a placés au sein de cette famille, nous devons aussi réagir. Nous devons réagir. Ça doit être comme un fardeau sur nous qui nous pèse, qui nous préoccupe. D'ailleurs, il est dit, toi et ta famille sera sauvée. Et je crois que la famille, aujourd'hui, dans l'Église, partout ailleurs, la famille est la cible de l'ennemi, la cible du diable. Il veut détruire les familles, il veut mettre la zizanie, il veut mettre la rupture, il veut essayer par tous les moyens. Et nous qui connaissons le Seigneur, nous ne pouvons pas le laisser faire. Nous ne pouvons pas le laisser faire. Nous devons réagir. Dès le départ, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, tout de suite le péché est arrivé. L'ennemi est arrivé pour mettre le péché, pour tenter Adam et Ève. Ensuite, lorsque les enfants sont arrivés, Caïn et Abel, tout de suite il y a eu le premier meurtre. Caïn a tué Abel. Et c'était la jalousie, c'était des histoires de famille. Donc c'était une famille déjà bien mal en point, avec le péché qui est là, avec la mort qui est là. Je crois que Dieu désire pour chaque famille d'entre nous ce soir la bénédiction, la vie en abondance. Il désire vraiment que les familles de l'Église soient bénies. C'est pourquoi nous devons avoir le même comportement que Abraham, c'est-à-dire prier, intercéder auprès de lui et lui demander donc de faire son œuvre dans la vie de notre famille. Abraham dira ceci, « Feras-tu périr le juste avec le méchant ? Est-ce que tu ne voudrais pas épargner le juste ?» Et nous savons qu'il a essayé à plusieurs reprises, mais il n'y avait même pas 10 justes, même pas 10. Je crois que, frères et sœurs, c'est important de comprendre que Dieu nous appelle à la prière. Et c'est le moyen qu'il nous a donné pour changer les choses, pour transformer les situations. C'est le moyen qu'il nous a accordé pour le faire changer d'avis quelque part. C'est ce moyen. Mais nous devons intercéder. Nous devons nous sentir concernés. Et je ne dirais pas nous sentir coupables vis-à-vis de la situation des autres, mais cependant, l'histoire d'Abraham, lorsque Dieu a appelé Abraham pour lui dire « Mais quitte ta patrie, quitte ton pays, ta famille. » Abraham va sortir de ce pays, va se mettre en route, mais il va quand même venir avec son neveu Lot. Il va quand même venir avec toute la famille. Et puis, voyons qu'à un moment donné, il va y avoir un problème entre les bergers d'Abraham et les bergers de Lot, les troupeaux. Ils ne savaient pas comment faire pour continuer la route ensemble. Et c'est là que Lot va choisir les plaines de Sodome. Il va voir que ces vers, c'était comme un jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas un jardin de l'Éternel. C'était un mauvais choix. Ce n'était pas un jardin de l'Éternel. Et certainement, lorsque Dieu a parlé à Abraham pour lui dire « Mais je veux détruire Sodome et Gomorrhe », il y a eu un pincement dans son cœur. Et Abraham s'est dit « Mais je suis quelque part un peu responsable de cette famille. Parce que j'ai amené cette famille. Et en chemin, on s'est querellé, en chemin, cette famille a pris notre voie, notre direction. » Donc, il voulait donc rattraper le coup. Il voulait quelque part que Dieu puisse agir, intercéder pour sa famille. Et je crois que nous devons faire de même pour notre famille, frères et sœurs. Il y a la prière, bien entendu, mais il y a aussi la parole. Et voilà que ces hommes qui étaient au départ avec Abraham vont quitter Abraham, ils vont venir chez Lot. Et puis, ils vont dire à Lot, « Qui as-tu ici ? Gendre, fils, fille, et tout ce qui t'appartient, fais-les sortir de ce lieu. Fais-les sortir de ce lieu. Ce lieu de destruction, fais-les sortir de ce lieu. » C'était cela le message
des anges pour Lot. Fais-les sortir, frères et sœurs. Qui as-tu ici? Tu dois le savoir. Fais-les sortir. C'était le message de Dieu. Cette parole venait de Dieu. Fais-les sortir. Ne les laisse pas dans cette situation. Et puis, immédiatement, il nous est dit que Lot sortit et il parla à ses gendres. Parla à ses gendres. Une affaire de famille, il va parler à ses gendres pour leur dire, mais voilà, il faut quitter ces lieux. Dieu va détruire Sodome et Gomorre. Sortez de ce lieu. Ce n'est pas l'endroit pour y vivre. Il n'y a plus d'avenir dans ce lieu. Quittez ces lieux. Mais il nous est dit que les gendres de Lot, ils vont réagir différemment. Ils vont commencer à rire, à se moquer. C'était pour eux une plaisanterie. Lot était en train de plaisanter. Je ne sais pas si à l'époque, et je pense plutôt que dans la situation de Sodome, il y avait beaucoup de plaisanteries, beaucoup de paroles malsaines. Il y avait pas de, on ne pouvait pas prendre au sérieux que Dieu existe. On ne pouvait pas dire que Dieu va détruire telle ou telle région, telle ou telle ville. On ne pouvait pas croire à ces choses. Cependant, c'était une réalité. Et aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. On se retrouve toujours dans la société. C'est comme cela autour de nous. C'est comme cela. Et dans les membres de notre famille inconvertis, eh bien, c'est comme cela également. On réagit de manière... on se moque de nous lorsqu'on parle de Jésus. Lorsqu'on dit que Jésus revient, on se moque de nous. On n'y croit pas. On pense que nous sommes aérés, que nous avons besoin de nous mettre à jour quelque part. Je crois que l'intervention de Lot est salutaire pour les membres de sa famille, pour ses gendres. C'est ce que Dieu nous appelle, l'intercession, mais aussi de parler, l'action de parler, parle. Que Dieu puisse se saisir de notre bouche pour que nous puissions délivrer le message venant de Dieu, le message qu'il a mis sur notre cœur pour que nous puissions le dire, des paroles inspirées par l'Esprit de Dieu pour que nous puissions nous adresser à ceux qui ne le connaissent pas, nous puissions leur communiquer quelques paroles de bon sens, des paroles qui vont s'emparer de leur vie, de leur cœur, pour qu'ils puissent, eux aussi, eh bien, être bouleversés et se dire, mais ce n'était pas le cas pour les gendres de Lot. Ce n'était pas le cas. Et d'ailleurs, l'apôtre Pierre dira que Lot, c'était quelqu'un qui était profondément attristé de la conduite de ces personnes qu'il voyait autour de lui, des situations qu'il voyait. Il était attristé de tout cela. Il ne pouvait pas chaque jour se réjouir. Il ne pouvait pas. Mais lorsque l'occasion lui avait été donnée pour parler de la part de Dieu, bien il a fait. Il a fait. Il a donné cette parole. Et vous savez, la parole de Dieu, parole que Dieu va nous donner pour communiquer à quelqu'un, c'est une parole qui nous dit dans le livre des Hébreux, parole vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme, esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Alléluia. Ça, c'est la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas venir avec nos propres paroles, nos propres arguments. Peut-être que quelqu'un se dit, mais moi, je sais comment parler à mon gendre, comment parler à ma belle-fille. Je sais comment parler à mon oncle, comment parler à telle ou telle personne. Je le connais depuis X années. Mais je crois que le plus important, c'est de dire ce que Dieu nous demande de dire. Alléluia. Que nous puissions parler, eh bien, par rapport à ce que l'Esprit de Dieu nous anime. Cette parole qui va directement au cœur, qui tranche, qui juge les sentiments et les pensées du cœur. Et d'ailleurs, la parole nous dit également, toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Alléluia. Toute l'écriture. Et Dieu a un but. Son but, c'est vraiment d'enseigner, de convaincre. Et d'ailleurs, il nous est aussi dit que c'est l'Esprit de Dieu
qui convainc de péché, de justice et de jugement. Nous, notre rôle, c'est de parler. Lot sortit et il parla. Il parla. C'est un défi d'évangélisation pour les nôtres, pour la famille, puisque Dieu nous a placés ainsi. C'est un grand défi. C'était un grand défi pour Lot. Et il voulait prendre cela à cœur. Il voulait vraiment prendre cela à cœur. Mais Dieu connaît toutes choses. Il connaît toutes choses. C'est lui qui sauve, c'est lui qui pardonne, c'est lui qui fait tout à merveille. Et ici, malheureusement, les gendres de Lot n'ont pas accepté la parole. Il est question ici également de la femme de Lot. La responsabilité de Lot pour ses gendres, ses filles, mais aussi pour sa femme. Le défi ici, c'est un défi de la sanctification. Sanctification. D'ailleurs, la parole dit que sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Personne n'échappera à la condamnation, à la destruction éternelle. Personne. Et la femme de Lot, qui était là, personne ne connaissait vraiment sa vie. Peut-être que Lot, mais il y avait très certainement quelque chose de caché, quelque chose qui n'était pas authentique vis-à-vis de la parole de Dieu. Il y avait certainement quelque chose qu'elle ne voulait pas lâcher. Quelqu'un qui connaît le Seigneur, mais qui ne lâche pas un certain nombre de choses. Elle n'était pas prête à tout abandonner. Elle n'était pas prête à se livrer entièrement au Seigneur. Et voilà que lorsqu'ils sont en route pour quitter Sodome, cette ville que Dieu va détruire, la femme de Lot ne va pas écouter cette parole de l'ange qui a dit de ne pas retourner, de ne pas se retourner, mais d'aller vers l'avant. Elle va se retourner. Autrement dit, on dirait qu'elle a perdu quelque chose. On dirait que c'était compliqué pour elle, de partir. C'était compliqué pour elle. Et la parole dit ceci, frères et sœurs, que là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Et pour elle, son trésor était derrière. Son trésor était ce que Dieu allait détruire. Son trésor était les choses passagères et non les choses éternelles. Les choses visibles et non les invisibles, comme la parole nous demande de croire. Pour elle, c'était cela. Il y avait pour Lot un défi auprès de sa femme, le défi de la sanctification. Avoir une vie sanctifiée, une vie qui recherche la face de Dieu, qui s'affectionne aux choses d'en haut. Peut-être que quelqu'un se trouve dans la même situation que la femme de Lot. Dieu te demande de tout quitter, de quitter cet endroit, de quitter cette relation. Il te demande de quitter cette compagnie. Il te demande de quitter. Cela est malsain, de ne pas dépendre de cela. Mais c'est difficile pour toi. Mais tu dois t'efforcer, puisque la parole dit que nous devons nous efforcer d'entrer par la porte étroite. Nous devons nous efforcer. Il y a quelque chose à faire. La femme de Lot n'avait pas compris cela. Et d'ailleurs, quand je regarde dans l'évangile selon Luc, Jésus lui-même va reprendre cette expression concernant la femme de Lot. Il dira, mais souvenez-vous de la femme de Lot. Souvenez-vous de ce qui s'est passé. Elle a essayé de sauver sa vie, cette vie qui était à Sodome. Elle a essayé de sauver sa vie, mais elle a perdu. Elle a essayé de garder cette vie. Mais elle a perdu devant Dieu, elle a perdu. Donc c'est important de comprendre que nous devons marcher dans la sanctification. Nous devons marcher dans la voie que le Seigneur nous demande, le chemin qu'il a tracé pour nous, d'après sa parole, et de prendre très au sérieux sa parole. C'est vrai que nous connaissons le Seigneur, nous l'avons rencontré, mais cependant, il est bon quand même, comme le dit l'épître de Paul aux Colossiens, « Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre,
Par exemple, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Eh bien, ces choses, il nous est dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient. Et nous ne sommes pas destinés à la colère, frères et sœurs, mais au salut. Et nous devons marcher dans les voies du Seigneur. Nous devons marcher, eh bien, comme il a marché lui-même. Nous devons renoncer, puisque cette parole dit aussi, maintenant renoncer à toutes ces choses. Renoncer à toutes ces choses. Pour la femme de Lot, il n'y avait pas ce renoncement. Ces choses étaient encore en elle. Bien qu'elle avait une vie d'église, une vie là, peut-être qu'elle priait Dieu, peut-être qu'elle, je pense qu'elle avait encore cette foi, cette apparence. Mais dans son cœur, il y avait quelque chose qui était caché. Et le moment de partir, elle a été retenue. Il y avait un lien qui était fort là, elle a été retenue. Il y avait ce lien qui était, parfois on néglige des petits liens, se dit je peux m'en débarrasser facilement. Mais quand le moment est venu pour partir, il s'est rendu compte que, eh bien, elle était vraiment attachée, vraiment attachée. C'est un peu comme des passions, on peut prendre à la légère, dire mais c'est une petite passion, cela ne va pas m'empêcher de partir avec le Seigneur. Mais on se rend compte qu'à un moment donné, on ne peut plus. Quand on désire arrêter, cela n'est plus possible. Et il faut la grâce de Dieu. Il faut la main du Seigneur sur notre vie, eh bien, pour nous délivrer, pour nous libérer, pour briser ces liens qui nous retiennent. Il est important d'agir comme Jésus l'a fait. Alléluia. Et puis, quand nous continuons cette lecture, nous voyons que en fin de compte, il y a eu la grâce de Dieu pour Lot. L'importance de la prière, parce qu'il nous est dit dans le chapitre 19 au verset 29, « Lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham. » Alléluia. Il se souvint de la prière d'Abraham. Abraham a prié pour cela, il a intercédé. Dieu se souvint, s'est souvenu de sa prière et il fit échapper Lot du milieu du désastre. Alléluia. Dieu agit encore. L'urgence est là pour nous, frères et sœurs. Mais cependant, tout n'est pas fini. Dieu agit encore. Nous pouvons et nous devons justement intercéder encore. Il est capable de faire des miracles encore. Il va encore se manifester. Ne perdons pas la foi. Gardons cette foi. Gardons cette espérance. Restons attachés à notre Dieu. Restons attachés à celui qui veut nous bénir, qui veut sauver nos proches, notre famille. Dans Hébreux chapitre 10, je dirai ceci pour terminer. Dans le livre des Hébreux chapitre 6 et au verset 10, il est dit ceci. Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom. Alléluia. Dieu n'est pas injuste. Il voit. Il ne va pas oublier notre travail d'évangélisation, notre travail donc de communication auprès de ceux, des membres de notre famille. Il n'est pas injuste pour oublier notre intercession. Au contraire, il veut agir, il veut se manifester, mais que nous puissions, oui, rester dans sa présence, dans sa communion, rester dans la foi, rester dans le combat pour voir sa main agir. Alléluia. Je vous invite à voir ce quelque temps de prière et que la main de Dieu soit sur nos vies, la main de Dieu soit sur eh bien, chacun d'entre nous, sur chaque famille ce soir, sur les membres de notre famille qui eh bien, sont difficiles, dont le cœur est dur, qui manifestent beaucoup de résistance vis-à-vis de la parole de Dieu. Mais il veut sauver, il veut agir ce soir. Nous prions et nous intercédons les uns pour les autres. Alléluia.